Un hot dog dans une cage pour animaux, un hamburger dans les cheveux, des bonbons dans une casquette et du pop-corn dans une valise. Apprends à cacher de la nourriture dans un avion dans notre nouvelle vidéo. Je veux faire passer du pop-corn. Mais en cacher dans une valise, c'était une idée stupide. La température à l'intérieur du scanner pour bagages est super élevée. Oh, quelque chose a explosé là-dedans. Ça doit être une arme de contrebande. J'appelle la sécurité. Mademoiselle, c'est votre valise? Je vais la vérifier soigneusement. C'est du pop-corn? Annulez la sécurité! Une des passagères voulait juste faire du pop-corn dans sa valise. C'est vraiment pas agréable d'avoir un plâtre sur le bras. La pauvre! Allez-y, bonne chance avec le plâtre! Fixe une bande de ruban adhésif double face sur un gros rouleau en carton. Attache une bouteille souple dessus. Enroule de la gaze autour du rouleau et de la bouteille. Le plan a marché! Maintenant, je peux boire du coca depuis mon plâtre! Mais qu'est-ce qu'elle fait? La musique, c'est la vie! Je peux pas quitter mon casque, ne serait-ce que pour une seconde! Mais forcément, il y a une friandise cachée là-dedans! Détourne un couvercle de gobelet sur une boîte en plastique. Coupe le cercle. Cache un donut dans le couvercle. Couvre-le avec un cercle en plastique. Retire les mousses du casque. Et colle deux couvercles avec des donuts dedans à la place. Mademoiselle, allez-y! Et bon vol! Et voici le petit secret de mes goûts musicaux. Il y a des donuts cachés dans mon casque. T'en veux? Tiens, le donut droit est pour toi. Megan prend toujours son oreiller de voyage quand elle prend l'avion. Pas étonnant, car il est particulièrement délicieux. Retire la tête d'un oreiller de voyage. Mets des chamallows dedans à la place. C'est l'heure de grignoter dans le lounge. Sors un chamallow de l'oreiller et fais-le rôtir à feu doux. Oula, on voit vraiment des gens bizarres dans les aéroports. Megan a trouvé un moyen de cacher des bons becs dans un masque pour le visage. Découpe un rectangle dans un sac Ziploc. Fixe plusieurs rangées de Skittles dessus. Utilise de la colle comestible. Fixe du scotch double face à l'intérieur d'un masque. Et attache le rectangle de bonbons dedans. Enlevez votre masque, je dois vérifier votre identité. Les taches de bonbons sur son visage font ressembler Megan à la criminelle la plus recherchée du monde. Sécurité, on a une criminelle ici! Non, c'est un malentendu, c'est que des Skittles. Désolée Meg, tu vas rater ton vol. Sympa cette cage pour animaux. Je vais l'emprunter quelques minutes. Hé, qui a pris mon chien? Excusez-moi, je dois passer. C'est urgent. Laissez-moi passer. Attendez, monsieur. Montrez-moi ce qu'il y a dans votre cage. Ouvrez-la. Un portrait de chien? Sérieusement, là? Freddy s'est fait prendre. Un hot dog géant se cache derrière la photo. Bah, et alors, c'est une nouvelle race? Je vais devoir manger le hot dog juste ici. L'estomac de Freddy va pas supporter le coup. Il va devoir prendre le prochain vol. Bonjour, c'est mon vol. Quelle belle coiffure! Mais c'est pas aussi facile de duper notre agent de sécurité, Andy. Elle a un accessoire qui semble être interdit pour l'avion. Madame, c'est quoi dans vos cheveux? Je le savais, il y a un hamburger là-dedans. Vous voulez le cacher dans l'avion? Va falloir le manger ici. Vous pouvez y aller maintenant. Au secours, elle se sent pas bien. Vous êtes docteur, faites quelque chose. Freddy n'est qu'un élève en médecine. Il n'a donc qu'un seul type de médicament. Des bonbons pour l'avion. Verse de la gélatine orange dissoute dans un blister de pilules propres.
utilise une pipette. Attends que la gelée durcisse et couvre-la avec de l'aluminium. Merci, ça va mieux. Pfiou ! Freddy était trop inquiet. On dirait que c'est lui qui a besoin de bonbons. Je crois que je préfère plutôt même rater ce vol. L'ambiance est trop tendue ici. Waouh, quelle meuf canon! Andy se cache réveillé. Mademoiselle, faites bon vol! C'est quoi son secret? C'est ses faux seins faits avec des ballons remplis de coca. Oups, on dirait que j'ai bu trop de coca dans un seul ballon. Maintenant, ma poitrine n'a pas la même taille. Ce type est hyper stressé. Mais pourquoi? Le secret est caché dans sa casquette. Enfile des oursons en gélatine sur une ligne de pêche. Attache la ligne de bonbons à l'intérieur de la visière d'une casquette. Utilise du scotch à double face. Oups! Toute la chaîne d'oursons s'est fait la malle pour rencontrer l'agent de sécurité. Je t'ai eu, mon pote! Andy, c'est ce qu'il va faire maintenant. Pourquoi gâcher tous ces délicieux oursons en gélatine, hein? Bienvenue devant la sécurité. Passeport, s'il vous plaît. Oui, c'est vous. Merci. Je peux vous scanner avec un détecteur de métaux? Vous avez quoi, là? Rien d'illégal, j'espère. Mais c'est juste une ceinture avec une boucle en métal. Étale de la pâte de pain d'épices du commerce. Découpe un rectangle. Fais-le cuire. Enduis le biscuit cuit de glaçage blanc. Attends qu'il durcisse et applique de la poudre nacrée argentée dessus. Fixe un morceau de plastique rectangulaire sur une ceinture à l'aide de scotch double face. Et fixe le biscuit dessus avec de la colle comestible. Merci, vous pouvez y aller. Heureusement que le gardien ne m'a pas confisqué ma délicieuse ceinture. Et j'ai qu'à tenir mon pantalon tout seul, ça va le faire. Megan décide de cacher des chewing-gums d'une manière très originale. Elle en a attaché sur ses ongles. Fait chauffer du chewing-gum au micro-ondes. Ajoute du colorant alimentaire rouge. Forme un ongle avec un petit morceau. Et attache le chewing-gum sur un faux ongle. Meg est hyper anxieuse face à l'agent de sécurité. Et s'il me captait? Elle a tellement peur qu'elle finit par se manger tous ses ongles. C'est bon, allez-y! Ça a marché! Excusez-moi, j'ai pas de bagages. Juste mon petit sac. Où est mon passeport? Attendez. C'est quoi ce liquide? C'est mon spray de bronzage. J'en ai absolument besoin pour passer de bonnes vacances. Ajoute de l'eau bouillante dans du miel. Mélange bien. Et transfère le liquide dans un vaporisateur. Ajoute une étiquette. Très bien, allez-y mademoiselle. Faites bon vol. Trop bon ce bras au miel. Mais malheureusement, les abeilles peuvent sentir mon bronzage en spray sucré. Voilà un champion du monde de ping-pong. Il ne voyage jamais nulle part sans son set de tennis de table. Bah, c'est sûr, il est tellement délicieux en même temps. Forme une balle de ping-pong avec du fromage à tartiner à l'aide d'une cuillère à glace. Applique du désinfectant sur une raquette de ping-pong. Coupe une tortilla aux dimensions de la raquette. Coupe une manche de raquette dans un bâton de salami. Relie la tortilla au salami. Et enroule du film plastique autour. Colle une image imprimée d'une vraie raquette par-dessus. Mets du film plastique dans une housse et mets la raquette comestible et la balle en fromage dedans. J'ai rien d'illégal, j'ai que mes raquettes et mon trophée. Ok alors. C'est quoi là-dedans? C'est mon mini kit de voyage désinfectant. J'ai rien interdit sur moi.
Verse du ketchup dans une bouteille vide de kit de voyage. Fixe un autocollant avec écrit « crème pour les mains » dessus. Remplis d'autres bouteilles de la même manière avec de la moutarde et du Sprite. Ok le champion, vas-y, fais bon vol! Notre joueur de ping-pong Freddy s'est préparé un bon repas avec des raquettes avec du ketchup et du fromage. Bon appétit! Tu as aimé nos façons de cacher de la nourriture dans un avion? Alors dis-nous dans tes commentaires comment est-ce que toi tu vas cacher tes friandises? Dans un plâtre, une casquette, un coussin ou dans ta poitrine? Et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles idées amusantes pour prendre l'avion sur Troom Troom.